vous retrouver pour cette nouvelle émission de Gay Prime Reportage. Nous recevons dans quelques instants quelqu'un qui vous est pas inconnu. Il y a quelque temps, c'était ça. Écoutez plutôt. Et maintenant, c'est ça. Ses yeux se ferment. Vous l'avez reconnu, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas, ex-Watford, qui aujourd'hui prend son envol tout seul. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu es là en pleine promotion, puisque ouais. Tu viens de sortir ton single, Chercher le garçon. Exactement. Un titre qui n'est pas inconnu du grand public, puisque c'est le groupe Taxi Girl, qui, il y a quelques années, avait interprété cette chanson. Pourquoi le choix de... Chercher le garçon. Bah pour plusieurs raisons, parce que déjà d'une part j'ai flashé sur le titre que je ne connaissais pas, donc j'ai flashé dessus et j'ai voulu la reprendre. Mm-hmm. Et puis d'autre part parce que ça me parlait, parce que j'avais envie de traiter un sujet comme celui-ci. Et donc puisqu'elle était déjà connue, autant qu'à faire, essayer d'avoir un impact un peu plus fort sur mon discours grâce à ce titre. D'accord. Et alors quand on reprend un titre à succès tel que Chercher le garçon, on n'a pas un peu peur, parce qu'une reprise c'est quand même, faut assurer hein. Oui, bien sûr, c'était un challenge. Il faut essayer d'améliorer le titre original, ce qui était très difficile parce que c'était un titre déjà parfait. Et puis aussi subir les critiques, parce que les reprises, c'est souvent très critiqué, même si c'est beaucoup acheté. Et voilà, puis je trouvais qu'elle était un peu oubliée, donc j'avais déjà un peu plus de chances de réussir ce projet, en fait. D'accord. Alors, le public attendait ce CD. J'en veux pour preuve les ventes, ouais. qui sont incroyables. T'en es même surpris. Énorme. Ça fait que quelques jours, vous pouvez retrouver donc le single de Nicolas dans les bacs des disquaires. Il y en a presque plus, d'ailleurs. T'en avais même pas avec toi. Ben non, tu vois. Tous les magasins sont en train de les commander. D'accord. Bon, en tout cas, on te souhaite autant de succès qu'avec les Watford. Watford, ouais. Avec qui tu as vendu quand même pendant un an 1 million de disques, c'est pas donné à tout le monde. C'est évident, j'aimerais bien en vendre autant. J'ai presque envie de te poser une question que tout le monde doit se poser. Pourquoi cet arrêt brutal des Watford? Bah en fait, ça vient de nous. On avait rendez-vous pour enregistrer le deuxième album des Watford. Mm-hmm. Et nous, à l'évidence, on savait très bien qu'avec l'image qu'on avait, avec la mésentente qu'il y avait entre nous et les choix artistiques différents, Monia voulait faire du R&B, Cyril et Erika du rock et moi de l'électro, c'était impossible, la mayonnaise n'avait pas pris, donc on a décidé de séparer de nous-mêmes et voilà, et arriver avec des projets qui nous correspondaient vraiment. D'accord, et aujourd'hui donc j'imagine que tu restes en contact avec les autres des Watford. Ouais. Je me suis laissé entendre que deux d'entre eux avaient collaboré ensemble. C'est ça, c'est le groupe Everton, Cyril et Erika. D'accord. C'est autre chose par rapport à ce que tu aimes et ce que tu écoutes, mais ouais, t'as apprécié. J'apprécie parce qu'ils m'ont donné ce goût du rock qui n'est pas du tout ma culture. D'accord. Mais c'est vrai que je ne prête pas l'oreille au rock, mais vu que c'est eux, forcément, donc, ils m'ont donné goût. Donc en soi, tu ne regrettes pas du tout cette rencontre Ah mais absolument pas. J'ai eu 3 amis, je trouve ça formidable. J'ai eu des contacts. J'ai vraiment aucun regret de cette aventure. D'accord. Aucun. Alors... On va parler aussi d'un petit peu de ce qui s'est passé avant. Ouais. Ça a commencé tout simplement lorsque t'as entendu, il y a quelques années, Michael Jackson et Mylène Farmer. C'est ça. Où t'as commencé à écrire tes propres textes. Propres textes qu'on verra peut-être un jour sur un... Bah ouais, justement, parce que à cette époque, j'avais gribouillé un texte que je suis en train de reprendre aujourd'hui avec une musique et que je suis en train d'enregistrer en studio. C'est formidable. Donc je suis ravi, c'est un rêve de gamin là. D'accord, donc tout se passe comme tu veux, tout est programmé. Ah mais ouais, c'est pas programmé, mais le destin fait que t'arrives toujours à faire ce que t'as envie de faire en fait. D'accord. Si t'en as envie, bien évidemment.
Mais c'est assez, assez surprenant parce que je me suis, enfin, c'est pas je me suis laissé dire, j'ai lu dans ton dossier de presse que tu avais pris des cours de chant lyrique. C'est ça. C'est autre chose quand même. Ne me demande pas de les refaire parce que c'est une technique particulière et que, et que c'est un travail, et c'est comme de la musculation, mais... D'accord. De l'organe musical. Ta prof n'était pas Armande Daltaï, non ? Pas du tout. D'accord. C'était une chanteuse lyrique très sympa. D'accord. Je ne dis pas qu'Armande n'est pas sympa. Non, du tout. Mais, ça m'a fait du bien, ça m'a appris pas mal de trucs. Parce que ce qui t'a quand même fait du bien, si on peut dire ça comme ça, c'est le fait de parer à ta timidité. Il faut savoir que tu es très timide. D'ailleurs, là, énormément. Tu étais en mitouflé, non, je plaisante. Sous ta casquette. T'étais assez timide, donc fallait que tu chantes lumière baissée, tourner le dos aux spectateurs qui étaient présents dans la salle, et puis fallait que tu fermes les yeux, c'est même vrai. Le dos. Ouais. Il fallait vraiment que je me sente tout seul parce que j'arrivais pas à chanter sinon. Puis au fur et à mesure, on a commencé à rallumer les lumières, j'ai commencé à ouvrir les yeux, à voir les gens et à chanter en face des gens, mais c'est une thérapie, ça s'apprend. Donc tu peux le conseiller, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Ça marche très bien, enfin je suis toujours timide, mais c'est vrai qu'une fois que j'arrive sur scène, je perds ma timidité. C'est ça qui est compliqué à comprendre peut-être. Alors ensuite vient ce casting qui a eu lieu à Marseille. C'est là où le jury de Popstar t'a marqué d'une croix rouge, voilà, t'as détecté. Donc après tout s'est enchaîné assez rapidement, ça a été quand même... Pour toi, une très bonne thérapie, comme tu le dis, c'est la thérapie de ta vie. 1 million de disques vendus, c'est énorme. C'est énorme. Surtout de nos jours, c'est vraiment un chiffre encore incroyable. Et quand tu as commencé l'aventure Popstar, tu pensais que tu gagnerais, honnêtement ? En principe, moi, dans ma vie, je fais toujours des choix qui sont plus ou moins difficiles. Et la plupart de ces choix, même si c'est négatif ou même si c'est positif, m'amènent à quelque chose. Donc j'ai pas vraiment réfléchi, je me suis lancé là-dedans, je savais que ça allait m'apporter quelque chose, quoi je ne le savais pas. Je suis parti dans l'aventure et puis je suis arrivé au bout et c'est génial. Et au fil des étapes, plus ça avançait, plus tu voyais que tu restais quand même présent. J'en revenais pas, très honnêtement. Ben, je me voyais pas dans un groupe en fait à la base, donc je me disais que j'avais le profil de tout sauf d'être dans un groupe. Et en fin de compte, on m'a mis dans le groupe. Qui n'a pas duré longtemps, donc peut-être que j'avais raison auparavant. Mais ceci dit, en tout cas, c'était une très belle aventure, comme tu nous en as parlé. Et vient ensuite donc la sortie, je le rappelle, de ce single, Chercher le garçon, qui est un titre, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, très connu des années 80 du groupe Taxi Girl, dont faisait partie Daniel Dark et tout à fait, qui est actuellement compositeur pour Madonna. Alors, il y a quelque chose qui est en préparation, on peut peut-être le dire, en tout cas je souhaite que ce projet voit le jour, c'est le clip dont tu as écrit le synopsis. Ben, je l'ai co-écrit avec un réalisateur, D'accord. Et on espère le tourner très vite parce que c'est en discussion, Et voilà, je laisse la surprise, j'espère que ça va vous plaire. C'est très sensuel et très sexy. Le titre en tout cas m'a convaincu, c'est la raison pour laquelle tu es là ainsi que toute l'équipe de Gay Prime Reportage. Alors écoute Nicolas, je ne peux pas ne pas passer sur un article qui t'a été consacré dans un magazine de presse à scandale, je t'ai dit le nom. Tu parles quand même d'un petit peu de choses assez provoques. Ben oui, parce que c'était une interview sur le sexe, donc j'ai parlé de sexe sans tabou. D'accord. Alors, je propose aux internautes non pas de venir à mes côtés, parce que je sais que beaucoup de gens aimeraient être à ma place, mais je propose tout simplement de reprendre quelques points de cette interview que vous avez peut-être et sans doute lu, et d'avoir des réponses franches, fermes et définitives. Ce sera son dernier mot et je ne pourrai en aucun cas modifier ses propos. Alors, on va commencer par la question que tout le monde se pose. Oui. Si ça te gêne, tu n'es pas obligé de répondre. Tu as 3 jokers, l'appel à un ami, le vote du public. D'accord. Non, je plaisante. Tout le monde se disait, en voyant les Watford, oui, il y a un homo. Mm. Bien sûr, les gens pensaient que c'était toi. Ah bon ? Oui. j'imagine que ça peut être amusant, surtout quand les gens ne sont pas agressifs. Et, Non, mais tu sais, des remarques comme ça, moi, ça ne me vexe absolument pas parce que je ne crois pas que c'est une insulte. Donc, alors, justement, homo, hétéro, bi ?
Ah ah. Tu veux pas répondre? Ben, c'est pas que je veux pas répondre, c'est que je reviens avec Chercher le garçon. Je fais partie de ces garçons qui à une époque, se recherchent dans la société. Mm-hmm. Et il y a un nouveau statut de la femme qui arrive, parce que la femme s'affirme, et heureusement d'ailleurs. Et il y a des garçons qui se perdent vis-à-vis de tout ça. Et on a la recherche de quelque chose. Alors c'est soit de l'homosexualité, soit de la bisexualité, soit de l'homosensibilité, ou tout simplement de l'amitié masculine. Mm-hmm. On a tous besoin d'amour masculin. Et moi, je l'ai retrouvé sous différentes formes. Alors le titre phare de ce magazine, c'est quand même « J'ai découvert mon corps grâce à un garçon ». Tu peux nous expliquer un peu plus précisément ? Ben, en fait, il a fallu que je rencontre un garçon sur qui je flash pour découvrir véritablement mon corps. Donc ça m'a beaucoup aidé. C'était pas ma première relation sexuelle, c'était une relation sexuelle parmi tant d'autres qui m'ont révélé des choses sur moi. Dans quel sens ? Si c'est pas trop indiscret. Non, c'est pas que c'est pas indiscret, c'est que je conseille à tous les gens qui ont peur de se lancer ou qui ont peut-être des fois été attirés par un garçon sans être homosexuel dans l'âme pour autant. C'est simplement une attirance qui fait que la vie nous l'impose. Et t'apprends des choses parce que c'est quelqu'un du même sexe que toi qui certainement, bah forcément, il y a une espèce d'osmose qui se crée différente d'une relation hétérosexuelle. Et donc t'apprends des choses, ça s'explique pas, ça se ressent. Et je conseille à tout le monde de passer le pas s'ils en ont envie, surtout pas se bloquer. D'accord, très bien. Par rapport à ça, tu n'as pas peur d'en parler, on voit que tu es non, pas du tout. Complètement libre. Pas du tout. Tu as dit, ça m'a beaucoup fait rire, ouais, lorsque j'ai préparé cette interview, tu es un grand défenseur de la masturbation. Non, mais écoute, parce que je me suis emballé sur l'interview, parce que j'en ai marre d'entendre des gens qui disent « moi, je ne me masturbe jamais » ou des gens très prout-prout, très... C'est très faux. Quoi? Très prout-prout. J'aime bien ce mot-là. T'aimes bien ce mot-là? Ah, j'adore. Moi aussi. Surtout quand on te dit, vas-y, redis-le. Prout-prout. Prout-prout. Et non, ouais, ça m'énerve d'entendre des gens qui le nient, alors que c'est un geste naturel. C'est la première relation sexuelle que tu as dans ta vie, c'est avec toi-même. Donc, il faut arrêter de mettre un tabou là-dessus. Tout le monde se masturbe. Et voilà. Donc, je me suis emporté. J'ai dit des trucs un peu cochons. Mais. Enfin, c'est cochon pour les personnes qui l'interprètent de façon... Ouais, bien sûr. Puisque, bien sûr, alors que pour moi, c'est un truc, c'est quelque chose de biologique, tout simplement. Et c'est très important, apparemment. Mais c'est très importante dans ta vie. Non, dans la vie de tous les terriens, de tous les êtres humains. Tu penses que certaines personnes... Ne me dis pas que tu ne te masturbes pas. Ça ne regarde que moi. Voilà. Ça ne regarde que moi. Tu m'as donné une réponse. Donc voilà, donc, tout le monde sur cette planète le fait. Moi, j'ai envie de détabouiser certains trucs. D'accord, très bien, Nicolas. Alors, c'est dur, hein, les questions qui rendent mal à l'aise. Hein. Faut le laisser, ça. Hein. T'as vu ça, Alors, tu aimes que les filles te dominent. J'adore. C'est vrai? T'aimes qu'une fille te... Enfin, je vais pas le faire, je vous rassure, vous aimeriez bien. T'aimes qu'une fille te plaque contre un mur et te dise « vas-y, fais-moi ça ». Ouais, j'adore. C'est vrai ? Mmh. C'est mon côté un peu ambigu dans mon esprit sur la sexualité, en fait. J'aime qu'une fille prenne la place du mec, en fait. D'accord. Et pourquoi pas un mec ? Non, c'est différent. D'accord. Avec un mec, je préfère être mec, en fait. Je trouve ma masculinité qui est en moi chez un mec. D'accord, oui. Je retrouve ma féminité grâce à une fille. D'accord. Donc, j'imagine que la douceur qui te caractérise, ouais, la tendresse, puisque c'est la tendresse qui émane de tes photos, merci. De ta personnalité. En tout cas, c'est ce que les journalistes qui t'ont rencontré avant ont écrit. Ouais. Tu la consacres exclusivement aux filles. Non, je suis tendre avec tout le monde. Hein. D'accord. Mais sexuellement parlant... J'aime bien me faire dominer par les filles. On n'en demandera pas plus concernant cette domination. Il y a d'autres points, je ne vais pas reprendre toute l'interview, mais il y a encore deux, trois petits points que j'aimerais aborder. Tu as confié dans cet article que tes zones érogènes, t'es les fesses. Oui, j'adore qu'on me caresse les fesses. C'est vrai ? Que mon partenaire ou ma partenaire me caresse les fesses. D'accord. Que pas les gens, si les gens se mettent à me caresser les fesses dans la rue, je risque de mal le prendre. Hein, donc je l'avoue, je ne suis pas un pervers sexuel. Alors si vous rencontrez, si vous avez la chance de rencontrer Nicolas un jour dans la rue, surtout, ne sautez pas dessus. Vous pouvez gentiment l'arrêter et lui demander un autographe, je pense qu'il le fera avec plaisir. Avec grand plaisir. Une photo peut-être aussi. Et ça, ce n'est pas moi qui décide de la suite, lui est seul juge. Alors, la tendresse dont je parlais il y a quelques instants, qui te caractérise, est-elle une source d'inspiration pour tes titres, pour tes chansons
Plus ou moins. C'est en fait, moi, mes titres... Bon, Chercher le garçon, c'est une reprise, mais les titres à venir, d'ailleurs, la phase B, c'est un titre que j'ai écrit. Qui s'appelle « Tout n'est pas perdu ». Et tous les autres titres qui sont à venir sont quasiment écrits par moi. Et en fait, je mets sur du papier, enfin sur de la musique, ma remise en question perpétuelle, en fait. D'accord. Mais c'est quand même des titres, même « Chercher le garçon », même si c'était remixé et que ça reste quand même différent de ce qu'on a entendu par le groupe Taxi Girl il y a quelques années. Ouais. C'est quand même un titre, c'est pas non plus trash, je veux dire. Ah non, c'est pas trash du tout. Donc ça te caractérise quand même quelque part. Ah oui, bien sûr. D'accord. Ah oui, carrément. Ah non, j'irai pas parler de... En fait, je n'écrirai pas l'interview dans un texte, enfin l'interview assez haute que tu as lue, dans un texte. C'est d'accord. Pas trop mon truc. Oui, mais ça, c'est une interview, enfin, c'est un journaliste. Oui, bien sûr. J'imagine de puis dire... c'était de l'humour aussi un petit peu. J'aime qu'on me touche les fesses. Masturbez-vous. Ça peut être bien aussi. Vous pouvez envoyer vos textes à Nicolas sur... Alors, dernière question concernant ta vie privée. Ouais. T'es modeste comme garçon. Quand on dit que t'es un bon coup, tu restes humble. Pour toi, c'est quand même... tu trouves tout à fait... T'as tendance un petit peu à te diminuer dans ce genre de situation, non. Sans forcément dire « je suis bien, je suis pas bien, mais je suis entre les deux ». Ouais, ben non, parce que, en fait, moi, la caractéristique d'une personne que je détesterais le plus, c'est quelqu'un qui arrive et qui dit « moi, je me masturbe jamais ». Enfin, sexuellement parlant. Hein. Moi, la masturbation, je connais pas. Je suis un super bon coup, je suis le roi des cunnilingus, celui-ci, je suis là. Donc... non, mais c'est vrai, il paraît. Oui, d'accord. Et ça m'énerve. Donc, surtout des mecs qui ont 20 ans, enfin mon âge, quoi. D'accord. J'ai 22 ans, j'ai tout à apprendre. Je suis un débutant, j'ai eu ma première relation sexuelle à 17 ans. Donc, si on calcule, ça fait 5 ans à peine que je connais ce métier. Ça passe vite, hein. Et voilà, donc j'ai tout à apprendre et je ne peux pas me permettre de dire je suis le roi de ci, je suis le roi de ça. Peut-être qu'à ma mort, on dira ah ouais, c'est un dieu du sexe. Voilà, un Apollon. Un Apollon incroyable. Alors, Nicolas, tes origines? Bah, je suis d'origine italienne, sicilienne et napolitaine. Allora, possiamo parlare in italiano? Si. Tu le parles? Bah, en fait, en France, j'ai un peu de mal avec l'italien, je le comprends, mais j'ai du mal à le parler. Mais une fois que je vais en Italie, ça vient tout seul, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je dois avoir des trucs dans le sang qui font qu'en Italie, je suis complètement bilingue. Bah écoutez, je pense que je pars comme vous en vacances, j'espère aussi loin. Je pars en Italie, est-ce que tu veux m'accompagner? Oui. Je t'expliquerai plus tard en antenne, je te donnerai mes coordonnées. Nicolas, donc, ce single, Chercher le garçon, ouais, vient de sortir chez tous les disquaires. Il y a une actualité où on pourra un endroit où on pourra te rencontrer pour des dédicaces. Il y a des choses de prévues que tu peux nous... Écoute, ça se cale au fur et à mesure. C'est vrai d'accord. que c'est une sortie qui a été un peu anticipée, d'accord, où il y a eu beaucoup d'aléas. Et là, on est en train de tout caler. Donc oui, à mon avis, tout l'été, on risque de me voir dans le sud. Et toutes les informations seront sur ton site internet. Il y a tout sur mon site internet. On redonne l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Écoute, Nicolas, je te remercie beaucoup. Ça a été un agréable moment en ta compagnie. Je te souhaite autant de succès qu'avec tes confrères les Watford pour ce titre « Chercher le garçon ». Je te laisse le mot de la fin. Des impressions, un petit coup de gueule, non? T'as des choses à évoquer en particulier? Non, ben, moi, j'ai passé un super moment ici, dans ce magnifique théâtre, et avec toi, avec le monsieur qui est derrière la caméra aussi. Qui est Jean-Christophe Mazzocco, notre réalisateur, monteur, producteur, c'est lui qui s'occupe de tout. C'est d'ailleurs lui qui a décidé d'avoir Nicolas cet après-midi. Merci. Je tenais à remercier énormément monsieur et madame Franck, directeur de ce lieu magnifique, le Théâtre Héberto. On a une chance énorme aujourd'hui, c'est que nous sommes dans la salle magnifique, où à la rentrée vous pourrez trouver une pièce avec Michel Bouquet. Donc si tu aimes le théâtre, je me ferai un plaisir de t'inviter ici au Théâtre Héberto. Merci à vous, n'oubliez pas surtout, sortez couverts. On vous donne rendez-vous dans très peu de temps. On aura le plaisir de recevoir Jean-Édouard Lipa, actuellement à l'affiche, à la Comédie de Paris, dans une pièce qui s'appelle Le Talon d'Achille. Nicolas, merci à toi et à très bientôt. Merci. Au revoir.